Près de 3 mois après la fermeture, les premiers visiteurs redécouvrent ces allées en fleurs. Des mesures sanitaires ont été mises en place. Files différentes pour l'entrée et la sortie, masques recommandés et visites de groupe interdites. Mais pas de quoi entamer leur enthousiasme. On est venu du coup se poser dans un petit coin de verdure. Mais ça fait du bien ? Oui, ça fait beaucoup de bien. C'est un très beau jardin en plus, donc voilà, c'est bien agréable. C'est une bénédiction, je suis très contente. Voilà, enfin. C'est important ? Bah, c'est primordial, je pense, dans une grande ville comme Paris, qui est très bétonnée, oui. La réouverture est aussi un défi pour les jardiniers. Pendant le confinement, la nature a repris ses droits et les oblige à s'adapter. Les zones où le public ne vient pas trop, on a laissé sauvage pour l'instant, pour voilà, que ça reste encore naturel. L'heure est maintenant aux plantations estivales, de nouvelles fleurs pour faire revenir le public. On installe entre 20 et 30 000 plantes pour chaque saison. Au total, 60 000 plantes par an sont installées là. Donc là, elles n'ont pas encore beaucoup poussé parce qu'elles viennent d'être installées, mais ça va faire des floraisons magnifiques. On peut faire confiance à nos jardiniers qui sont vraiment des très très grands professionnels. Et venez tout de suite d'abord, et puis revenez au fil de l'été et vous verrez, cet endroit est toujours aussi beau. La ménagerie ouvrira à son tour le 8 juin et les galeries et serres le 24 juin.